gens, c'est Draxurby. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, petite vidéo voilà. Une petite vidéo, hein, merde, hein, j'essaye de trouver des arguments, mais j'arrive pas aujourd'hui, j'ai du mal. Aujourd'hui, petite vidéo sur Fortnite, donc on va aller faire ça, on va regarder un peu les défis qui sont sortis. Donc il y a eu les nouveaux défis qui sont sortis pour la flèche. J'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait deux. Donc le premier, alors je vous explique un peu vite fait pour ceux qui n'ont pas pris le pass ou quoi que ce soit et qui n'ont pas encore les défis ou qui ne sont pas encore allés voir. Donc le premier, c'est tout bonnement où vous allez voir à une tour de gardienne où il y a un truc tout au-dessus qui se trouve aux 6 extrémités de la première tour, donc de la tour principale. Je vais vous montrer un peu hop, la carte. Donc une des 6 extrémités là, donc des 6 extrémités qui se trouvent ici, 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 ici et ici. Donc vous allez tout au-dessus, vous allez avoir comme un jetpack qui va être au-dessus. Vous allez avoir une voie. Alors bon, moi je fais ça en fort down point. C'est plus rapide, ça va plus vite. Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une autre mission, c'est d'aller voir 5 Jonesy. Alors ce n'est pas les Jonesy, c'est pas celui qui se trouve, vous n'allez pas voir celui qui est là. Faut déjà aller voir 5 Jonesy qui n'est pas le Jonesy normal en fait, le Jonesy naturel, celui qui est... voilà. En fait, faut que vous alliez voir toutes ces répliques, donc celui qui est ici. Il y en a un à Wickenwood, il y en a un à Lazy Lake, donc le chauffeur de celui qui fait le taxi. Il y en a un qui est ici et un qui est au-dessus de Pleasant Park. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme je vous l'ai montré, donc Wickenwood, Sweepy, après vous allez à Lazy Lake, après vous allez tout au-dessus, donc vraiment sur l'île en fait, il y a un Jonesy échoué. Et... vous allez après voir celui qui est en train de faire les saucisses, le Jonesy cuistot. Et une fois que vous avez fait les 5 comme ça, vous allez voir le Jonesy, allez voir le Jonesy normal, quoi, le Jonesy Jonesy du départ, quoi, on va dire. Et en fait, il va vous demander de lui parler, tout ça, donc vous lui parlez. Et une fois que vous lui avez parlé, vous allez avoir une autre mission, donc vous quittez. Vous allez avoir une autre mission qui est de se battre avec lui, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'espère qu'en Fort en Point, je vais pouvoir un minimum le faire, parce que tout à l'heure, c'était un peu compliqué, et il y a un nouveau, apparemment, il y a des nouveaux trucs. En Fort en Point, avant, il n'y avait pas les animaux y sont. Nous avons des pneus tout terrain maintenant sur les véhicules. Alors j'ai pas, alors pas tous les véhicules, mais au minimum par exemple les 4x4 ou quoi que ce soit. Alors après je sais pas, hein. J'ai pas regardé sur tous les véhicules. On va voir si on peut le voir en même temps dans la vidéo. Et après je sais pas trop, donc je verrai si je vous fais autre chose ou quoi. Pour risque, ou je ne sais pas trop pour le moment, si ça bug comme Gold War, parce que j'ai eu des bugs vu que voilà, ça freeze, je sais pas ce qui s'est passé. Je regarderai quand même, alors parce que j'ai regardé à la vidéo principale comme moi là je fais, je vous explique un peu. Donc on tourne déjà la vidéo avec OBS et après on fait le montage avec un logiciel de montage. Le truc c'est que pour certains, le logiciel de montage n'a pas... Je sais pas sur quoi ça s'est basé et ça a bugué au niveau de ça. Donc faut que je voie ce qui s'est produit. Et donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper un sprint en bas. Faut que je sois le premier à lui parler et à lui demander de se fight. Et, en espérant que je puisse éviter un minimum les balles et puis tout ça. Parce que faut se fight avec lui. Donc je suis niveau 104, donc comme vous le voyez à l'écran. Pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui sont au-dessus de 100, c'est clairement des personnes qui ont acheté les passes. What? Il est pas là.
Ah bah voilà, bon bah voilà. Ça sert à rien parce que quand même tu peux obligatoirement le battre. Ah bah ouais mais. Voilà. Ça c'est emmerdant parce que le truc c'est que par exemple il y a des joueurs autres qui viennent. Et donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire en fort en point. Alors en fort en point ou en solo avec des bots. Là je vais relancer pour voir si je peux tomber, je vais faire une solo pour que ça soit quand même mieux. Mais clairement moi ce que je vous conseille si vous voulez vraiment faire des défis comme ça, parce que là le truc c'est que il y en a ils l'ont déjà fait, mais le truc c'est qu'ils vont venir squatter Gen Z et vont vous faire chier toute la vie. Je sais que moi j'y suis allé une fois, ça va faire trois fois que j'y suis allé, et en fait il y en a toujours un ou voire deux qui squattent cette zone pour vous faire chier. Et ça c'est vraiment chiant parce que bah, le truc c'est qu'il y en a ils ont pas de race quoi, ils ont pas de vie. Et il y en a la plupart du temps une fois qu'ils ont vous ont fait chier en fort en point, ils quittent, on les voit quitter en plus de ça et ça c'est chiant. Donc voilà c'est... Ouais ils ont clairement il n'y a pas de race au niveau de ça. Et ça c'est un peu dommage parce que bah, voilà quoi, t'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Et puis bah, pour un défi ils sont là pour te casser les pieds. Donc on va aller en solo, on va essayer ça. Et puis comme ça, voilà. Donc on va voir en même temps si, voilà. Moi, je vous ferai aussi du labo de combat pour vous montrer un peu les nouveautés, les machins qu'il y aura sur Fortnite. Parce que je vais un peu plus regarder, comme je vous avais fait il y a quelques années. Bah, il y a quelques années, quand c'était avec Avengers. Je vais regarder si je peux un minimum faire quelque chose. Et le truc c'est que là avec les défis j'ai peur que beaucoup de personnes vont à Pleasant Park et là ça va être vraiment du n'importe quoi. Donc on va voir, on va voir tout ça. Donc comme vous le voyez, alors dites-moi en commentaire aussi pour mettre le feu à des structures. Je ne comprends toujours pas, apparemment j'ai des amis qui l'ont déjà fait et moi je n'y arrive pas à le faire, alors c'est un peu chiant. Au niveau des personnages, il reste le 17. Le 17, j'ai regardé sur internet, il n'y est toujours pas marqué. Alors, je sais pas quand il va sortir. Est-ce que ça sera, comme on le sait, le personnage caché de la saison? Alors, bon, tout le monde sait qui c'est. Mais voilà, sinon, j'ai tous les personnages. Toi, tu m'emmerdes avec ta danse. Voilà. Donc, j'espère que au minimum, on arrivera à faire quelque chose. Et puis, voilà. À part si c'est des bots, je sais pas du tout. Je vois pas grand monde construire. Il y en a un qui a construit. Il y en a un qui fait des builds. Il y en a un qui a fait un carré là-bas. Parce que je sais que quand on est en solo, c'est revenu à la mode. Les bots prennent le relais. Alors, je sais pas si c'est normal ou quoi. Mais voilà, c'est apparemment. C'est la grande surprise. Mais en solo, les bots sont revenus. Donc on a quand même plus de bots que de joueurs. Donc on va voir ça. Je vais tenter l'absolu à Pleasant Park. Donc voilà. Je verrai aussi si je peux vous faire une vidéo un peu des alentours de Fortnite pour regarder un peu ce que devient certaines zones, comme les constructions, les trucs comme ça. On ira voir aussi vers le Shark Dock, donc à Côte Icarey, pour voir ce que ça donne. On ira voir un peu les zones qui sont en train de prendre de l'ampleur en fait du... Alors apparemment il n'y a pas trop de monde. L'ignore est là. Le truc c'est que là... Ouais, je m'en doutais. Est-ce qu'il n'y a pas une autre arme?
Bon, ça c'est fait. Et putain, ils ont pas de race. J'ai même pas eu le temps de finir de discuter. Retournez voir Jonesy original. Alors oui, c'est Jonesy original. Et le truc c'est qu'ils ont pas de race. Parce que t'as même pas le temps de faire quoi que ce soit pour discuter avec lui ou quoi que ce soit. Et ça c'est vraiment chiant au niveau de ça. Parce que le truc c'est que les gens, voilà, ils sont pas dit tiens il l'a battu. Alors voilà, en même temps on voit les véhicules un peu avec des roues un peu modifié, alors je sais pas comment c'est. Moi j'ai déjà eu un taxi, alors je sais pas si c'est naturel ou quoi. Mais voilà. Donc c'est un peu chiant. Donc on va essayer de faire une game normale cette fois-ci. On va essayer d'aller en Ford en point. Et voilà. Donc on va essayer de taper un sprint si la zone, bien sûr, veut que je passe par, par Pleasant Park. Mais sinon, je ferai une game normale, j'irai directement chercher des armes ou quoi que ce soit. J'irai pas à Pleasant Park si je suis de l'autre côté. Parce que voilà, ça serait trop chiant. Et voilà. J'espère que ça sera pas buggé. Sinon, je vous ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Moi, Fortnite, je pense que je vais quand même plus regarder un peu à droite à gauche s'il y a des secrets, s'il y a des machins à découvrir, parce que j'ai découvert un truc que j'ai envie de vous montrer mais que je n'ai pas eu le temps parce que à cause des lags que j'avais il y a peu de temps. Donc je vais voir si ça marche ou quoi. Donc voilà, je vais voir ça. Je vais voir ça. Et en plus de ça, alors attendez, encodage, faut qu'il soit plus rapide. Alors attendez, en même temps, j'espère que ça frise pas là. Donc on est 16 et on passe par où? On est de l'autre côté, donc je vais aller à Lazy Lake. Je vais pas aller, je vais pas me faire des trajets ou quoi que ce soit. Alors après, ce que je peux faire, moi, si la zone n'est pas trop loin de Pleasant Park, ce que je peux faire, c'est que je peux me TP directement. Je fais un petit vol pendant 2-3 minutes. Hop, je vais en mettre un peu plus fort. Ça. Voilà. Hop, et on saute. Alors là, j'ai eu un petit lag, c'est normal, hein, je suis désolé, c'est tant que l'encodage se fasse correctement. Ça c'est fait, ça c'est bon, voilà, l'encodage se fait. Alors je sais, alors c'est pas mieux que, voilà, vous préférez peut-être voir du solo ou quoi que ce soit. Mais le solo, je préfère le faire en bot. Je préfère vous le dire clairement. Parce que le truc, c'est que quand vous êtes en mode solo ou quoi que ce soit, et puis que les joueurs sont super énervés ou quoi que ce soit, c'est super chiant. Donc je préfère encore faire du Ford en point. Et ça monte beaucoup plus vite au niveau stats et puis tout ça. Et puis tout ça, d'accord. Tu parles bien français, ouais. Donc voilà, demain live pour ceux qui sont abonnés, tout ça, voilà, demain petit live de 21h à, ça sera marqué normalement, de 21h à minuit, hein, comme tout mercredi, voilà. Nous aurons aussi, comment dire, ils iront sur Fortnite, The Crew et Fortnite, hein, clairement. On va pas le faire à l'envers. Hop, hop. Il fait nuit, super. J'espère qu'il n'y a pas trop de lag, je suis en train de voir que ça lagouille un peu quand je tourne un peu la caméra. J'espère que je l'ai pas trop mis fort. Après l'encodage, c'est temps que ça se fasse aussi. Oh, il est violet celui-là. Alors je prends pas le canon, je prends pas ce canon moi parce qu'il est pas, moi je l'apprécie pas, donc je trouve qu'il est plus encombrant que qu'il devrait. Donc là, il y a un coffre.
Là, il y a une boîte de mun. Et la zone est à côté de Pleasant Park, ça c'est cool. Mieux, si je pouvais avoir autre chose ça serait encore mieux, mais bon, on peut pas trop demander non plus. Bon, j'espère que ça sera pas trop sale non plus à la vidéo, parce que je vois que ça lagouille un peu, mais bon, j'espère que... Ah ouais, mais il va être mort, il va être mort. Et je sais pas si en Fandom Point, alors oui, en Fandom Point, alors est-ce que je vais pouvoir vous croiser un ami, une bestiole. Lui c'est bien parce que lui aussi, pour ceux qui ont un peu l'habitude de passer par Pleasant Park, le PNJ qui est au-dessus, sa maison se construit de jour en jour. J'ai entendu une poupoule. Alors voilà, donc on le voit, la poupoule a perdu sa vie. Je sais pas s'ils ont mis les raptors ou quoi que ce soit, tout ce que je sais c'est qu'il y a des cochons obligatoirement, il y a les poules. Les raptors, j'en ai pas vu pour le moment en Fandom Point, alors je sais pas du tout s'il y en a ou quoi. Je sais que les raptors craignent beaucoup la tempête, donc ils meurent tout de suite en fait, ils attendent pas midi 14h. Donc voilà, ça, un peu d'os. Bon, il n'y en a pas assez. Donc, à part si j'ai un peu de chance et puis que je tombe sur un pompe meilleur, ça risque peut-être pas d'arriver. Par contre, la tempête, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu plus épaisse que d'habitude. Moi ça vite. Ah, la popo, la popo, la popo. Ah, la popo dans la poche. La popo dans la poche. Apparemment l'encodage n'est pas assez rapide. Bordel. Super fat. Allez hop, on tente un super fat. Oh, les enfants sont un peu loin. Je sais pas si le bot il sera toujours. Hein. Je sais pas si le bot il sera toujours, mais j'ai envie d'aller voir. Donc on va aller. Bon, on va taper un sprint. Bah ouais, mais j'ai perdu de la vie à cause de lui. Des lags, merci. La petite flèche qui commence à me casser les pieds. Je vais pas avoir le temps, c'est pas possible ça. Je sais pas s'il y est toujours, c'est ça le problème. Je sais qu'une fois mort, on peut revenir, mais le truc c'est que s'il est mort et... Je sais pas si son hologramme reste dans le machin, donc comme ça. Alors je sais, c'est pas très intéressant de voir ou quoi que ce soit, mais au minimum c'est pour voir déjà si le bot y est toujours, si si ça aussi ça a été mis à jour, parce que je sais que par exemple Raz et s'appelle Raz, comment elle s'appelle, je ne sais plus son nom à la fille,
Je sais qu'elle est automatiquement dans la dans la zone, elle survit. Donc déjà il y a eu bagarre. Ah, le bot est là. Le bot est là, le bot est là. Hop. On se dépêche. Voilà. Donc là, normalement, terminé. Donc là, bon, bah là, je vais faire au moins la game. Et puis on verra ce que ça donne au niveau du machin. Je suis niveau 105, ça c'est cool. En pleine vidéo. Par contre, il y a un peu de lag, c'est un peu chiant. Le truc, c'est que l'encodage, je pensais à avoir votre préférique baissé ou utiliser le préférique. Alors, je vais peut-être baisser peut-être un peu le... parce que je suis en gros... Ah, la bile. Ouais, alors je suis en temps normal, je devrais pas être comme ça. Adieu, le point rouge, je sais pas à quoi ils peuvent servir en fait sur Fortnite, parce que quand vous le voyez, quand on est comme ça et puis que le point rouge vise autre chose, c'est... Oh, je veux bien le violet. Hop là. Alors vous avez aussi un Gen Z juste à côté, hein, bien sûr. On va faire chier un peu notre monde. Vous avez aussi un Gen Z juste ici. Pour, ah non, c'est peut-être pas un Gen Z. Attendez. Si, c'est un Gen Z. Ah non, c'est pas un Gen Z. Désolé. C'est pas un Gen Z. Donc je pensais que c'était un Gen Z, mais non. Hop. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait à la vidéo là, alors, attendez une minute. Voilà. C'est mieux. Un petit tour et puis s'en vont. Hop là, il y a du bleu. Il y a du bleu. Non mais... Ah là... Oh le stick. Oh putain. Quand vous les voyez comme ça, c'est... Il était où? Il était au-dessus? Mais je l'ai pas vu. Attends, mais on me tire d'où? Putain, mais du bas. C'est pas possible. Ah, ils ont une visée automatique. Ah, faut arrêter de tricher, les gars. Hein? Parce que viser deux fois comme ils ont fait, moi j'appelle ça de la triche. J'appelle ça de la triche. Parce que sinon, moi je vais me fâcher, moi. C'est...
Non, en fait, c'est pas en fait, c'est pas possible de jouer avec des gens comme ça. Comme vous voulez. Regardez, en 5 minutes, temps de remonter et machiner. Regardez-moi ça, ils sont... Et puis c'est pareil, ça, tirer sur les personnes qui sont en l'air, c'est leur gros kiff. À quoi ça sert d'avoir un point? Lui, il arrive à te toucher, mais pas toi. C'est quoi cette connerie? Faut arrêter, hein, Fortnite, hein. Réglez vos bordels, hein. Puis après, les gens, ils vont se dire, mais les gens, ils jouent lance-roquettes. Bah ouais. Regardez-moi ça. Vous appelez ça du jeu, vous? D'avoir des personnes, comment ils jouent? C'est... Voilà. Là, moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Fortnite, à part jouer et faire de la merde comme ils l'ont fait... Ah si, il y a les raptors. Donc si, ils ont rajouté... Il y a bien les raptors en mode... mode machin, donc ça c'est cool. Attends, on est combien? 6 sur 4, mais non, mais puis y en a, ils ont pas de race, ils construisent. Regardez-moi ça. C'est plus en fait, c'est plus Fortnite en fait. Et beaucoup de YouTube en fait, le truc c'est que beaucoup de YouTubeurs le disent, mais le truc c'est que quand vous voyez ça, que ça soit en Fordant Point ou autre, hein, que ça soit autre. Le souci, c'est qu'en fait, les gens ne respectent même plus le jeu en tant que même. Et parce que le truc, c'est que voilà, il y a plus de système de jeu. Regardez-moi ça. Ils construisent en 5 minutes. Et moi, j'appelle ça pas du jeu. Les personnes font des constructions, quoi. Voilà. Le truc c'est que la plupart n'écoutent rien, donc bon, on m'a dit qu'un jour il y avait déjà eu ce mode de jeu la visée qui te vise automatiquement, le truc qui te fait où je saute mais il arrive à te viser quand même. J'ai bien une critique ou quoi que ce soit, mais il y a un moment donné faut arrêter, quoi. Regardez-moi ça, c'est plus du jeu là. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Un 4 contre 6. Et en plus de ça, les gens construisent comme des merdes, quoi. C'est... ouais. Alors ce défi là qui veut pas se faire, c'est pareil. Ouais, ils ont... Ils sont même pas dit, tiens, on va jouer fair play. Il y a creepy, pareil. Le mode, je sais pas, jouer fair. Je sais pas, c'est un jeu en temps normal, mais le truc c'est que les gens comme ça, ça fait rager, quoi. C'est, et puis de l'autre côté, ça va dire, oh, les commentaires, ouais, tu rages machin. Mais regardez-moi ça, c'est plus, c'est même plus Fortnite, on se croirait. On se croirait sur Farming Simulator. Ah, tu farmes ton bois ou quoi? Sans déconner, il a pris son temps, le gars. Il a pris son temps, il a récupéré ses armes, ses machins. Sinon, il a fait, oh bah, j'irai récupérer du bois, c'est bien mieux le bois. Hein? T'as même plus le temps d'atterrir parce que les gens t'allument. N'empêche, il y a une photo là à faire quand même, hein. Il y a une photo. Ah non, je peux pas tourner ma caméra. Bon, bah top 2, mais bon, top 2 avec je sais pas combien de kills, avec peut-être 3-4 kills. Puis sinon, bah, se retrouver avec une structure monumentale en plein milieu de la map. C'est vachement bien.
Il y a déjà pas assez de construction sur Fortnite. Ils en rajoutent, les cons. Ils ont pas encore compris qu'il fallait pas en rajouter de construction. Ah, mais il y a même plus. Oh, bah d'accord. Il y a même plus de défi là. Ok. Bah. Ok, plus qu'attendre 14 jours. Plus qu'attendre 14 jours. Et puis, ouais. C'est un peu dommage quand même parce que moi ce défi-là, alors dites-moi en commentaire s'il y en a qui l'ont réussi ou quoi que ce soit. Bon, vous avez vu que j'ai mis le feu à beaucoup de structures. Voilà, et sinon, bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Et puis on se retrouve la prochaine fois, bah, demain pour un live. De toute façon, il y aura tout en lien de description et normalement pendant la vidéo, pendant que j'en ai parlé, normalement vous avez les heures. Et on se dit à la prochaine.